34 militaires camerounais sont portés disparus après le naufrage d'un navire de l'armée dimanche, a indiqué le ministre camerounais de la Défense Joseph Bétia Sommo dans un communiqué diffusé dans la nuit de dimanche à lundi. Reprise ce lundi de la campagne des élections législatives du 30 juillet au Sénégal, 24 heures après une suspension en raison du drame qui a fait 8 morts samedi lors de la finale de la Coupe de la Ligue de football. Au Nigeria, 8 personnes ont été tuées lundi quand une femme kamikaze a activé ses explosifs dans une mosquée au nord-est du Nigeria. L'attaque s'est produite vers 4h GMT dans un quartier de Maïdougouri, épicentre de la violence de Boko Haram depuis 2009. Difficile règlement de la succession de l'ancien chef d'État gabonais Omar Bongo. L'avocat de l'association Transparency International accuse les membres du clan Bongo de causer du retard dans le but d'échapper à la justice dans l'enquête sur leur fastueux patrimoine bâti en France.